Bonjour à tous. Afin de conclure ma série de vidéos sur le terrorisme, nous allons voir maintenant comment, à mon sens, on pourrait combattre le terrorisme. Quelles sont les méthodes pour lutter contre le terrorisme, des méthodes plus efficaces que celles qui ont été utilisées jusqu'à aujourd'hui, qui ont montré leur inefficacité. Par exemple, le tout sécuritaire, qui a montré ses limites. En effet, à Nice, on était en plein état d'urgence, et oui, Nice est une des villes les plus sécurisées de France, avec une vidéosurveillance très importante, ce qui n'a pas empêché l'attentat d'avoir lieu à Nice. Ainsi, continuer dans le tout sécuritaire nous forcera juste à toujours mettre plus de moyens dans la sécurité, au dépens de nos droits, et avec pour seul effet de repousser l'inévitable, puisque certes on arrivera à éviter un attentat, mais les terroristes ne feront que se montrer plus ingénieux, et l'attentat aura lieu quand même. Certes, il ne faut pas être absolument naïf et ne pas mettre aucune mesure de sécurité quand il y a une menace terroriste. Mais compter uniquement sur le sécuritaire pour se protéger n'est pas une solution. Il faut donc trouver d'autres solutions. Il faut attaquer, je pense, au problème du terrorisme, aux sources. Déjà les sources extérieures. Il faut combattre Daesh, évidemment. Mais il y a la manière de le combattre. Se contenter de bombarder en détruisant les villes, tenues par Daesh. Certes, tu fais du mal à Daesh, mais tu détruis les structures sur place et donc tu fais que recréer du chaos qui permet l'émergence de mouvements terroristes. Et en plus, souvent, quand on fait ça, au cours des dernières années, on a souvent fait ça pour profiter, en profitant pour piller les ressources sur place qui n'a pas non plus aidé. On a bien vu le résultat que ça a donné, Daesh. À mon sens, il vaut mieux aider ceux qui sont sur place, les peuples sur place qui se battent contre Daesh, comme les Kurdes, qui se battent depuis des années contre Daesh de manière efficace. C'est au peuple sur place de mener la lutte. Nous devons être là pour les aider, pour leur donner les moyens de remporter cette lutte. Mais nous ne devons pas être là pour mener. Nous ne devons pas être là pour dire ce qui doit être fait. Et après, nous devons aider les peuples sur place à se reconstruire, à reconstruire les structures. On empêche l'émergence à nouveau des mouvements terroristes. C'est donc aussi notre manière d'intervenir doit être revue en profondeur. Il faut également priver Daesh de ses alliés, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, ou même la Turquie. Qui soit le finance, soit ferme les yeux sur ce trafic et combatte ses ennemis. Il faut revoir notre diplomatie, il faut arrêter de les considérer comme des alliés absolus et taper un peu du poing sur la table. Et voir pour ça, d'avoir d'autres alliés dans la région comme les Kurdes, comme je disais tout à l'heure. Priver Daesh de ses financements ne sera pas facile, parce que bon, certes, en tapant du poing sur la table envers ses alliés comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, on peut essayer d'obtenir qu'ils arrêtent de le financer, mais vu que c'est des financements indirects, et ils pourront toujours prétendre que ces financements n'existent pas, et nos lois s'appliquent difficilement sur ces ressortissants, tant qu'ils sont dans leur pays. Et donc même s'ils financent indirectement, difficile de les condamner, ça reste des méthodes qui, malheureusement, sont légales, donc difficiles à combattre. Donc c'est vrai que ça va être un pont du combat assez difficile à mener, parce que on va pas juste déclarer la guerre à l'Arabie Saoudite et venir bombarder et raser l'Arabie Saoudite, parce que ça va encore créer des mouvements terroristes là-bas, c'est pas non plus la solution. Donc il faut revoir notre diplomatie, il faut avoir une diplomatie plus fine, une diplomatie plus intelligente, mais il n'y a pas de solution miracle. L'autre point qui rend difficile de couper les flux financiers de Daesh, c'est qu'ils disent pour ces financements illégaux des technologies modernes, comme le Darknet, qui sont assez difficiles à surveiller. Donc ça va pas non plus être facile. Il y a un autre point où peut-être plus agir, c'est sur la complicité de certaines entreprises avec Daesh, comme je vous ai montré l'exemple de la société Lafarge. Et là, il faut sévir contre ces entreprises, il faut enquêter. Toutes les entreprises qui ont des soupçons d'activité sur les territoires contrôlés par Daesh, il faut enquêter. Et si on voit des complicités, là, il faut sévir. Il faut renationaliser ces entreprises pour forcer l'arrêt des complicités avec Daesh. Et il faut également lutter contre la recherche du profit avant tout. Parce qu'aujourd'hui, si ces entreprises s'accommodent avec Daesh, c'est parce que la seule chose qui compte, c'est faire du profit. Avant même de penser à l'humain, ça pousse donc à s'accommoder avec l'horreur pour l'argent. Et ça, c'est dû au système capitaliste. Donc le système capitaliste est une source de financement pour Daesh. Dans un autre système, Daesh n'aurait pas cette capacité à se financer. Personne ne voudrait s'accommoder avec Daesh quasiment. Mais dans ce système, Daesh devient un partenaire envisageable. Et c'est grave. Ensuite, il faudra s'attaquer aux causes intérieures. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse des humains? Parce que là-bas, c'est des humains qui commettent ces crimes. Ce sont des humains, ils sont nés, ils ont des parents, comme tout le monde. Ils ont vécu, comme tout le monde. Pourquoi ont-ils commis de telles horreurs? Pourquoi ont-ils commis de telles atrocités? Il faut comprendre que souvent, Daesh, ce n'est qu'un prétexte pour passer à l'acte. Pour des personnes déjà fragiles, voire
en difficulté, voire instable mentalement pour certaines. De plus, il ne faut pas sous-estimer à quel point les conditions de vie au quotidien peuvent affecter les personnes fragiles. Lorsqu'on vit dans la misère, qu'on est rejeté toute notre vie, si on est déjà de base quelqu'un de fragile, ça nous rend beaucoup plus exposables aux recruteurs de Daesh. Il ne faut pas pour... C'est pas... En effet, les classes les plus défavorisées constituent l'un des foyers de recrutement de Daesh, des classes qui vivent dans une forte misère, qui sont rejetées, abandonnées de tous, et qui n'ont plus rien. Et dans ces milieux-là, quand les personnes déjà fragiles sont des cibles de choix pour Daesh et pour les recruter. Et donc il faut à la fois mieux encadrer les personnes sensibles. Ça nécessite un meilleur système éducatif, de meilleure qualité, plus attaché au bien-être des élèves, qui va éduquer sur certains sujets de manière plus profonde, la religion, les valeurs de la vie humaine, et tout ça. Il faut donner plus de moyens à l'éducation nationale aussi, pour permettre un suivi au plus près des élèves, de la part des enseignants. Ce n'est pas possible pour les enseignants, malheureusement, d'avoir un suivi personnel avec les élèves quand il y a une classe de 30 ou plus. Si on donne plus de moyens avec des classes plus réduites, chaque enseignant pourra mieux suivre chaque élève, et donc lui donner à la fois une meilleure éducation, mais également pouvoir mieux suivre, mieux voir, faire en sorte que l'élève ne sorte moins abandonné, voir si l'élève a besoin d'un soutien. Pour les personnes fragiles, pour les personnes pour lesquelles c'est nécessaire, il faut également faciliter l'accès à des soins psychologiques de meilleure qualité, moins chers et plus accessibles. Car aujourd'hui, malheureusement, les soins psychologiques sont malheureusement trop souvent soit de mauvaise qualité, soit chers et difficiles à trouver. Il faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance. C'est pour quelqu'un de fragile, justement, c'est une démarche difficile. Il faut également revoir tout notre système judiciaire et pénitentiaire et arrêter avec le tout prison. En effet, la prison est un foyer de radicalisation non négligeable. Beaucoup de personnes qui rentrent en prison pour des délits mineurs se retrouvent en contact avec des gens déjà radicalisés en prison, des recruteurs de Daesh qui les radicalisent. Et une fois qu'ils sortent, quelques mois plus tard, ils sont radicalisés. Donc le tout prison n'est pas une solution. Beaucoup de personnes sont en prison alors qu'elles auraient plus besoin d'un suivi psychologique de qualité. Et enfin, lutter contre la misère et le rejet qui privent de tout certaines personnes et les laissent sans espoir. Il faut offrir un terreau moins fertile aux recruteurs de Daesh. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'influence que les causes sociales peuvent avoir sur les personnes et complètement influencer leur comportement, je vous invite à aller voir la vidéo d'Usul sur le sujet, la vidéo La Pensée 68, Sociologie et Culture de l'Excuse. Le lien est en annotation et il sera dans la description. Donc il explique mieux que moi et de plus en détail quel point les causes sociales sont déterminantes dans notre comportement. Donc pour résumer, il faut à la fois revoir notre diplomatie, revoir tout notre système judiciaire, pénitentiaire et éducatif, notre système de soins, et également remettre en cause le capitalisme et le tout profit. Parce qu'à la fois, le capitalisme donc permet à Daesh de se financer, mais également, c'est aussi la cause de la misère sociale qui frappe certaines couches de notre population. Il faut donc lutter contre le grand capital pour à la fois priver Daesh de financement et donner à chacun des conditions de vie meilleures. Donc, le combat contre Daesh ne va pas être facile. C'est clair. Et la solution de « on bombarde » peut apparaître comme plus simple. Après tout, bon, il suffit juste d'aller bombarder et puis c'est réglé. Mais on a bien vu que ça ne marchait pas. Et que si on ne trouve pas d'autres solutions, le terrorisme va continuer pendant des décennies. Ça fait des décennies que ça dure. Si on ne veut pas que ça continue, il faut changer. Bref, c'est terminé pour cette dernière vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, que ce soit sur un sujet ou sur tout, je vous invite à lâcher des commentaires pour en débattre. Et m'attendre pour mettre un pouce rouge. Bref, c'est terminé. Au revoir tout le monde.